Le client, il devient tyrannique. C'est les soldats qui les rendent furieux. Ils sont ballonnés, ils ont des brûlures. Maintenant, elle passe dans les pompes à essence, la paye. Mon carburant, oui. Je vous ferai remarquer, entre parenthèses, qu'il a échappé à la fouille, mon carburant. Ça serait une raison de plus pour me garder, ça, si on ne vivait pas dans le foutisme. Des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu. Puis je me paierai peut-être aussi un chauffeur. Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie. Mais tu peux pas te ranger un peu, non? Oh, y a pas le feu. Mais si t'es pressé, t'as qu'à prendre un chameau, tu passeras facile. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là? C'est mon boulot. Dis donc, t'es pas le seul à faire ton boulot, hein, mais ça te donne pas le droit d'emmerder le monde. Mais qu'est-ce que tu râles? T'as même pas de clients. Ben, j'ai même pas de clients parce que je suis moins con que toi, moi. Je m'arrête à midi pour aller bouffer. Tout ça, c'est des belles promesses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard. Et puis le chef, au moins, il éclabousse pas, lui. Normal, c'est le chef. Au secours! Au secours! Il faut que vous lâchiez par un bout ou par l'autre, chef. Hein, Tassin? De toute façon, si ça tournait mal, je veux dire, s'il y avait une fusillade, vous avez une petite porte sur la droite. Oh, bah, s'il y a une petite porte sur la droite... Hein, Tassin? Oui, ce qu'il faudra, c'est pas se bousculer pour sortir. J'ai la tronche comme un melon, moi. Je parie que c'est encore mon métabolisme qui déconne. On peut savoir ce que ça sera pour ces messieurs? On t'a dit la même chose d'amnésique ou quoi? Quand on n'est pas doué pour un boulot, on en change. Ah, bon. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Bon. Alors, si monsieur retient sa place avant de partir en croisière... J'ai imaginé que je partagerais avec toi. Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas? Oh, puis merde, tiens. Entre nous, Dob, et une supposition, hein, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, hein. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de. Quand il faut, un chef. D'accord, mais alors, payable en 3 traites à 90 jours. Et pourquoi pas viager? Pourquoi pas mariage? Les histoires d'amour n'ont pas besoin d'être justifiées. Quand je pense que j'ai failli fouiller cette mallette. Tu me sautes maintenant, tout de suite, sur la table. Comment? Pourquoi pas sur des skis ou debout sur un hamac? Dans l'état où je suis, tu veux que je finisse avec une pile? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainées. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Laisse. Pour moi. Je voulais pas la gifler, hein, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Oh là là. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Voilà, parce qu'il y a des... Ouais. Sortez de votre cocotier, moustiquaire, ou je vous pourfends. Pitié. Ah non. Ah non. Mais défendez-vous, voyons. Sortez, Ribaud. Oh. Sortez, vous. Oh. Arrière, gorille. J'ai raison, sortez. Allez, sortez. Donnez-nous si on parlait calmement. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule.
Il entendra chanter les anges, le Gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Fumier. Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tôlière, une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu ? Lulu la Nantaise. T'as connu ? Accourez vite ! A pas l'air commode. Cela. C'est le calendrier des télécoms. Excusez de carillonner de façon intempestive à votre domicile, Mme la Comtesse. Dame Frénégonde ! Mais j'incarne, lâchez-moi, mais vous êtes dingue ! Écoutez pas ! C'est ma maîtresse ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est bonne, Atassa ? Oh oui, chef ! Quand on y est, elle est vachement bonne ! Ouais, bah bonne ou pas, faut pas rester là-dedans. Allez, oust ! Un lapin, chef ! Les vacances à Krum, c'est nouveau, ça. Tour du monde à la petite semaine, et puis en retour, tout le monde se file au régime du hockey. Ouais. La liberté à 70 000 francs par mois, c'est pas ma pointure. Dis donc, tu connaissais pas mon ami Charles ? Maintenant, je le connais. Elle est gracieuse, cette dame. Bon, alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question. On est tous très embêtés. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre ? Je crains que vous aboutissiez inéluctablement à Johnny dans le coffre. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. La faute à qui ? On fait pas faire des mouvements respiratoires à un type qui a les bras cassés. Quand même, c'est déjà mieux que l'autre fois, chef. Parce que là, on est repris, mais on n'a pas sauté. Hein ? Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. Il se dit, si je tape ma lettre sur une autre machine, on croira que le possesseur de l'autre machine ne taperait pas sa lettre sur sa propre machine. Donc, le possesseur de la machine a tapé sa lettre sur sa propre machine. Seulement, moi, je me dis, il croit que je vais croire que le possesseur d'une machine ne taperait pas la lettre sur sa propre machine. Donc, c'est le possesseur de la machine qui a tapé sa lettre sur sa propre machine. Voilà. Pensez que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tomber sur moi. Adjoint Legré, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur. Oh là, tiens. Oh, là, c'est pas vrai. Ah, mais ça t'a pris comment ? En puissant sur un totem. Oh, mais ça, c'est tout, toi. Toujours des lois, des contre-lois. Alors, avec l'opposition. Mais il est l'opposition. Elle est majoritaire. Non, ne tremblez pas, Bernadette. Vous savez avec quelle tendresse vous l'avez fait. Oui, ça pique tout de même. C'est un mal pour un bien. Mais... Qu'est-ce... Non, je m'excuse, c'est la première fois que ça m'arrive, Bernadette. Un nom définitif ? Hélas. À vous de jouer. Bien. Excusez-moi. Tu comprends ? Monsieur le préfet, pour le terrain, c'est toujours non ? Non. Ah bah c'est à vous de jouer.
Je peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit Perrache. Un piège à con. C'est lui. J'ai rêvé que tu m'arrachais mes vêtements. Tu avais de grandes mains brûlantes et tu m'arrachais mes vêtements. Oh. Hé hey, arrêtez. Ferme-moi toutes tes forces. Paulette. Mais... Passe-moi. Paulette. Il y a Paulette. Type au vélo derrière nous. Il crie quelque chose. Paulette. Paulette. Belle cheval. Hein? Si, belle cheval. Aujourd'hui, le ménage. Demain ou après-demain. Aujourd'hui, j'ai du travail. Du travail, ben c'est nouveau, ça. Ça fait 10 ans que vous baillez aux corneilles, que vous êtes rond comme une queue de pelle du matin au soir, et vous voulez vous remettre au travail. Dites donc, faudra y aller lentement, parce qu'il doit être singulièrement rouillé, le ciboulot. Fine, tu m'emmerdes. Maurice, quelque chose ne va pas? Non, ça n'ira pas. Je fais plouc. Ah, non. Je suis grosse là-dedans. Si, si, il a raison. Ça le tasse. Il est tassé du tronc, vous trouvez pas? Je suis grosse vache. Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. Oh, oui, c'est super, mais c'est pas non plus un concours de beauté. Ce côté-là ne fait pas très Emmanuel Béard. C'est notre luminaire. Ça va, luminaire? Et une lanterne de fiacre? Qu'est-ce que c'est, pauvre andouille? Mais qu'est-ce que vous voulez, je peux pas supporter la bêtise, c'est plus fort que moi, ça m'émulse. Que t'envisages d'accrocher ça dans notre gentille homière, c'est déjà joli. Mais le plus beau, c'est que tu laisses escroquer monsieur le directeur. Là, tu peux être fier. Tu sais, le numismate. Oui, ben numismate ou pas, je veux voir personne. Si on continue à me traquer, je partirai en Chartreuse ou à Zanzibar. Puis on me retrouvera plus. Et ces maudites pièces m'attirent que des ennuis. Je finirai par les donner aux petites sœurs. Monsieur Magnin a l'air mort, ou plutôt non des regrets, un financier n'a jamais de remords. Mais si mes moyens me le permettaient, je vous prierais de dire à monsieur Magnin d'aller se faire dorer la lune. Tu vois, Lambert, que ce ne sont pas les idées qui manquent. En attendant, vous direz à monsieur Magnin que monsieur Rénal se rendra avec le plus grand plaisir sur les gazons de Rony, mais pas avant 15 heures. Où vas-tu? En Corse. Et d'où tu viens? D'Angleterre. Ah bah décidément, t'es un insulaire, allez, monte. Merci. Par ici la bonne soupe. T'as assez ça, ma force. Le carbure, je vais le chercher avec les dents, avec les ongles, dans la boue, dans la merde. L'argent n'a pas l'odeur. Ah, comme dit le proverbe. Ah, ça, le respect, c'est autre chose. Ça se mérite, mon pauvre vacher. Le pauvre vacher, il est peut-être plus riche que toi. Tu sais combien il a au coffre? Non, mais il a bien failli avoir 50 millions en moins, parce que j'étais venu pour ça, figure-toi. Eh oui, si j'avais voulu te flatter, avec un peu d'admiration et quelques souvenirs de guerre, comme tu dis, par ici, la bonne soupe. Ton coup de peau, c'est que je l'aime pas, ta soupe. Eh ben, je croirais plus au proverbe. Combien je vous dois, patron? 4 francs. Voilà. Tu t'en vas? Ça t'étonne? Mais avant, je vais te faire une confidence, Vacher. Ton argent pue terriblement. Tu ne sens pas la charogne, tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Bonjour Eva. Bonjour monsieur l'abbé. Alors la cueille était bonne? Cette année les poireaux sont superbes. C'est effroyablement simple. Il suffit de bétonner la surface de la Seine, tracer une ligne blanche au milieu, et vous avez l'autoroute que la capitale mérite. Des deux côtés des tours de Notre-Dame, je bâtis 2 tours de béton et d'acier. Le Moyen-Âge et le 20e siècle se tendent la main. Alors, ça fait 2 mois. 2 mois qu'il est au lit. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il dort. Du jambon. Combien de tranches? Hein? Ben voilà, fallait le dire. Bon.